Bonjour, je m'appelle Alexandre Davin, je suis donc compositeur euh, établi à Montréal ici. Donc, ma pièce s'appelle Bahnhofstrasse, c'est un poème de James Joyce, euh, un poème qui traite de la transition entre deux lieux et puis le non-lieu qui est le Bahnhofstrasse, qui, qui est une gare de train finalement. Euh, et puis, il y a un autre poème également qui est mis en relief par rapport à celui-là. C'est un poème de Louise Labbé, une poète du 16e siècle. Et euh, donc, euh, ces deux poèmes sont mis en relation et traitent euh, de la transition d'un endroit à un autre, d'un lieu à un autre. Donc la pièce est écrite pour euh, flûte, clarinette, euh, une chante euh, deux, chanteurs, deux chanteurs, soprano, contre-ténor et euh, une percussion. Et euh, donc euh, avec également quatre microphones. Ces quatre microphones sont installés euh, à, travers, euh, à travers la scène, mais également à l'arrière-scène, donc à différents endroits. Et donc euh, un jeu de déplacement des interprètes à travers différents, différentes stations euh, et qui vont interagir ou non euh, avec ces quatre microphones-là. Et donc, euh, c'est un élément de spatialisation qui est très important à cette œuvre. Non. Oui, donc, pour l'approche de cette. De cette pièce en particulier, c'est une approche un peu euh, différente de, de ce que je fais d'habitude. Euh, en fait, euh, je commence souvent par faire une esquisse, donc euh, pour mes œuvres, euh, pour ensuite développer cette esquisse. Et dans ce cas-ci, euh, j'ai commencé sur une grille de temps euh, d'écrire in des indications générales. Donc, quest ce que je voulais dans mon œuvre, les interactions entre les, les interprètes, euh, également des détails sur les notes, les hauteurs, les rythmes, euh, les déplacements scéniques également des interprètes. Euh, et puis finalement, cette, euh, cette esquisse est devenue la partition. J'ai décidé, plutôt que d'y ajouter des détails, de donner un peu ce produit non fini aux interprètes. Euh, L'idée du « Bahnhofstrasse », qui veut dire « rue de la gare » euh, en allemand, euh, c'est aussi un peu l'incertitude entre deux États, entre deux lieux. Euh, et donc, euh, de donner un peu ce produit non fini aux interprètes, ça nous permettait de travailler un peu avec leur propre incertitude et de faire une collaboration plus intéressante, selon moi. Donc, c'est une œuvre, je pense qu'il faut apprécié en concert d'abord, c'est sûr, parce qu'il y a une dimension sur la spatialisation. Parfois, la pièce commence d'abord, il y a des interprètes qui sont cachés et qui font… et, et, qui, font, et qui sont à l'arrière-scène, en fait, et qui font des sons dans des microphones alors que les autres sont sur scène et qui ne produisent aucun son. Il y a donc cet effet un peu dichotomique, un peu d'ambiguïté de l'interprétation aussi, qui, qui est lié à l'interprétation euh, euh, réelle de l'œuvre, donc en concert. Euh, on peut percevoir des choses dans l'enregistrement sonore aussi, euh, euh, mais euh, en fait, la dimension de la spatialisation est tout à fait intéressante dans cette pièce euh, puisqu'elle est abordée d'une façon purement musicale à la base, donc déplacer un interprète d'un endroit à l'autre, mais euh, avec avec euh, toutes les tout le, le texte également les indications euh, les indications scéniques euh, qu'il y a euh, en, en rapport avec les textes euh, il y a un élément théâtral qui a qui vient s'incorporer euh, euh, par soi-même en fait euh, dans l'œuvre donc c'est quelque chose d'intéressant à considérer lors de l'écoute de l'œuvre je pense alors deux mots qui pourraient décrire mon œuvre d'abord intertextualité euh, donc cette idée de de remettre différents textes en rapport, euh, également différents paramètres en rapport. Donc, on pense à l'amplification ou la non-amplification, on pense euh, à la spatialisation des interprètes, euh, et, mais c'est ça également, certaines techniques qui viennent euh, de, la, de musique ancienne, certaines techniques qui viennent de musique nouvelle également dans cette œuvre-là, euh, par rapport aux deux textes qui sont utilisés d'époques différentes. Donc, je trouvais ça intéressant de, de créer des rapports à ce niveau-là. Alors un autre mot qui pourrait décrire aussi ma pièce, c'est ambiguïté, donc euh, un peu par rapport à l'idée de l'intertextualité entre les différents éléments, créer des ambiguïtés entre les techniques qui viennent du passé, du présent, et puis euh, les différents éléments de l'œuvre, à savoir quel type de musique on, on, on a devant nous, et puis euh, dans quel état se trouvent les interprètes. Euh, je pense que c'est une façon intéressante aussi de voir cette musique.